Je suis Sonic, Super Sonic. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp. Charge boueuse, rejet de fusion froide, rognure de lambeaux d'acier mal galvanisé. Oh, rognure de lambeaux de... d'acier mal galvanisé, vous l'avez déjà dit. Je ne leur dirai jamais assez, espèce de tas de ferraille, rejet de fusion froide. Mais comment vais-je détruire le hérisson avec des sujets pareils? À qui dois-je me fier? Bonjour, il y a quelqu'un? On peut entrer? Quelle belle journée, hein? Louis Fuguette, vendeur de mon état, je vends tout ce que vous n'avez pas. Très heureux. Désolé, je suis un peu impulsif, mais je répare les dégâts. Non. Vous ne savez pas à qui vous fiez, monseigneur? Fiez-vous à moi. J'ai tout ce qu'il faut pour rendre les êtres et les choses fiables. Si je ne l'ai pas, je me le procure. Et si ça n'existe pas, je le crée de mes mains. C'est ça, la H-D-S-D-A-D-L. En clair, la société habile, docile, servile, viril, agile, débile, limitée. La solution à votre problème est là, y compris celle de vos sujets de métal. Tu aimes ce type, toi? Pas du tout. Une seconde, Fuguette. Vous êtes bavard, arrogant et pédant. En un mot, vous êtes nul. Votre tenue laisse à désirer. C'est parfait, je vous engage. Oh, nous, on l'aime. Montre ce que tu as. C'est un porc-épic qui vous chaîne? Un hérisson. Sonic le hérisson. Je m'en doutais avant de venir. Aussi, je vous ai apporté le HDSVADL, obscurateur, là où la lumière est, la lumière suit. C'est un faiseur de ténèbres, un noircisseur de clarté. Vous désirez une démonstration? Hé! Hey, les plombs ont sauté! Hey, je suis pas un oiseau de nuit, moi! J'ai peur comme Maria! Oh, arrête de trembler! Tes boulons vont se dévisser dans ta tête! Ah. La démonstration gratuite est terminée! Quel est le verdict? C'est redoutable! Même Sonic ralenti à la tombée de la nuit. C'est combien? Comme c'est le dernier qui reste, je vais vous faire un prix. Disons 100 000 bobiums. Quoi? C'est le prix de vos angoisses, docteur. Et j'ajoute à l'obscurateur ses lunettes infralaser. Pourquoi faire? Mais si Sonic n'y voit rien et que vous vous y voyez, vous arriverez peut-être à l'attraper. D'accord, j'achète. J'aperçois le hérisson. Déclenche l'obscurateur. Wow. Oh, j'ai déjà vu la nuit tomber, mais pas quand le soleil est encore à l'horizon. Oh, tu crois que l'obscurateur a une fuite? J'en sais rien, mais tes lunettes infralaser. Comment veux-tu que je les trouve dans le noir? Ah, encore heureux que ces boîtes à outils soient myopes. Gunder, t'es là? Oh, j'en sais rien. Je vois pas où je suis. Ici votre localisateur. Vous êtes très mal placé. Vous stationnez en zone interdite, les gars. Eh, c'est normal quand on n'y voit rien. Stationner dans une zone prioritaire coûte 100 mobiums de taxes. Ah Et voilà contre quoi on doit se battre. Je
suis fiable, ma machine est fiable, donc ça ne peut être que vos deux sujets douteux. Ah, c'est lui! Faut me rembourser, j'ai droit à une garantie. Désolé, pas quand l'article a fait l'objet d'une destruction volontaire. J'ai une autre solution. La société ne reculant devant aucun sacrifice. Regardez l'autre solution. Voici la seule, l'unique, l'imparable, l'incontournable solution à tous vos problèmes. Notre bandisateur peut se vanter de faire froid dans le dos, docteur. J'ai peur de l'utiliser. Génial! J'en achète Doucement, Sonic, je sais que tu sautes plus loin que moi. Pourquoi se priver quand on est doué? Maintenant! Oh, si tu as chaud, j'ai de quoi te rafraîchir, Sonic. Hey, je peux faire le ventilateur? Une petite démonstration? Allez! Aucun problème, je vais vous dégeler. Pourquoi il se donne tant de mal? Il nous aime bien dans le fond. Oh, tu crois? Ah, je vois pas pourquoi on lui déplairait, on est très beau, intelligent. Et c'est assez chaud, les gars. Ouais, et ça fond à vue d'œil. Encore une minute et vous allez bronzer. Oh, oh, tu as l'air de sortir d'une étuve, Scratch. Toi, dans deux secondes, on ne verra plus. Oh non, on est en train de fondre. Oh, ma carrosserie me lâche, Scratch. On ne croit pas que Sonic nous trouve beau et intelligent. On doit lui déplaire quelque part. Je renonce à vous comprendre, les robots. Je vous ai muni de pare-feu de toutes sortes et vous êtes les seuls à vous embrader à la moindre étincelle. Mais pourquoi je persiste à vouloir vous refaire une santé dans cette couveuse? J'en sais rien, mais c'est la dernière fois. Ah! Me revoilà! Hey, je suis trop sentimental, moi. Oh, je me sens tout neuf. Salut à vous, chers clients. C'est la forme, on dirait. Le hérisson est givré, cette fois. Celui qui est givré, c'est vous. Oh, allez voir ailleurs, vous et votre banquisateur. On se calme. Ah, inutile de me couronner de laurier, chers clients. Mon seul et unique désir était de vous satisfaire. Cette fois, l'engin était garanti. Passez la monnaie. S'agissait-il d'un défaut de fabrication ou d'une erreur de manipulation, docteur? Quelqu'un doit me le payer! Et vite! J'ai une autre proposition à vous faire, cher client. Une de ces propositions qu'on n'ose pas refuser tant l'efficacité de l'engin est grande. Cette création était vouée à des fins belliqueuses. Cependant, je vous la cède pour que vous retrouviez le sommeil. Voici l'antigravitateur de Newton. Fais en sorte que ça fonctionne cette fois. Tous mes trucs fonctionnent quand on sait s'en servir. Non, oh, j'ai mes chenilles qui flottent. Je vole, incroyable, je vole. Ça fonctionne au-delà de vos espérances, hein? Oh, j'adore ça. Sonic m'a détesté. Oh, la pesanteur se dératée pourra toujours essayer de battre des records. C'est du haut de gamme, cet engin. Et si vous l'achetez content, je vous mets une paire de Santiago qui colle au plancher. J'achète! Je veux redescendre maintenant. Vos désirs sont des ordres. Un client aussi prodigue a le droit d'exiger ce qu'il veut. Renure de fer blanc. Je vous donne 10 secondes pour capturer Sonic. Ça fait des heures qu'on fuit sans savoir où on va. Je suis mort de fatigue, moi. D'accord, l'écureuil. Allez, assieds-toi. Ah, je déteste rester assis, c'est une perte de temps, je trouve. C'est une perte de temps? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, Robotnik m'a envoyé ses sbires avec deux engins du siècle dernier. Et tu penses que ce n'est rien? Je vote l'action, Léon! On se remet en route? Oh,
J'abuse, excuse-moi. Relax, Max. Je sais que tu n'en peux plus. Il veut de l'action. Il va être servi, le hérisson. Sonic, dis-moi ce qui se passe. On vous a figé sur place. Oh, tu peux toujours pédaler. Tu n'arriveras pas à démarrer. On va bien voir. Je suis en apesanteur. Hé, Grunder, c'est la meilleure. Un écureuil qui plane et un hérisson qui flotte là. Oh oui, c'est naturel. Ils ont oublié leur botte de gravité. Moi, je les croyais très malins. Sonic, utilise ta vitesse. Ah, ça craint. Si je touchais le sol, ce serait une autre affaire. Mais il n'a plus de vitesse. Oh, dire que j'attends de voir ça depuis des années. Oh, c'est extra. Ah, tu n'existais pas il y a à peine 4 mois. 4 mois à courir après lui, c'est une éternité. D'accord, les gars. Bon travail. Vous avez gagné. Vous pouvez nous redescendre maintenant? Non, on veut te voir nous supplier. Oui, supplie-nous avec ton copain. Bon, c'est pas du jeu. On est vaincus. Allez, soyez au moins indulgents. Indulgents? Mais pourquoi? C'est nous les vainqueurs. Allez, Scratch, on va les redescendre et en courant encaisser la prime. Eh ben, si vite. Laisse-moi me réjouir de les voir flotter. Arrête ton engin anti-gravité et on vous suivra. Qu'est-ce qui est indrédible? On est nul, mais jusqu'à un certain point. Oh, c'est vrai que des fois, on a du génie. Oui ou non? Ah, tu l'as dit, Henri. Si on arrête la machine qui les fait flotter, dès que le hérisson aura touché le sol, on le verra plus, oui. Bon, là, je crois que tu as raison. Vous déraisonnez, les gars. On peut s'enfuir plus vite sans toucher le sol. Quoi? Quand il n'est pas écrasé par la pesanteur, mon copain est libre. Regardez, il peut m'emmener où je veux. C'est vrai ou pas? Tu es prêt, Sonic? On va faire un tour ailleurs? Ah non, non, vous n'irez nulle part. Attends! Il n'y a qu'un truc que j'oubliais, avant qu'on s'en aille. Quoi? Un des deux ferrons pantins peut enlever ses super bottes et monter pour nous empêcher de partir. Non, tu crois? Ouais, ben c'est qu'ils en ont dans la caboche, ces deux marioles. Je ne te le fais pas dire. Oh, ben je les ai manqués. Fais 3 brasses dans cette direction et recommence. Oh non! Tu es condamné à passer le reste de tes batteries à faire du drone, toi. À moins que ta grenouille arrête la machine anti-gravité. Mais arrête cette machine! Ah, c'est une loi universelle, ça. Tout ce qui monte doit redescendre. Ah, il faut croire que je suis né pour recoller les morceaux déformés de l'univers. Merci pour votre grandeur d'âme. J'avais comme un poids sur la conscience. Oh, que c'est bon de se sentir à nouveau soi-même. Oh, c'est tout moi, ça. Me revoilà, cher client. J'apprécie que vous m'ayez envoyé vos gardes du corps, mais un simple message sur mon fax m'aurait fait accourir sur le champ. Si je vous avais dit ce que j'allais vous faire, vous auriez quitté le pays. Quand je vois que la colère vous égare, mais la société est prête à faire un effort. Comme nos machines sont garanties quelque part, je paierai les défaillances de l'antigravitateur. L'antigravitateur a bien fonctionné. Et c'est l'écran qui l'a produit qui nous a déboussolés. L'écran? Là, il y a un os, mon cher petit fantôme. C'est une location, je n'ai donc rien à vous rembourser. Tricheur, usurier de bas de gamme, commis voyageur sans patente. Ne vous mettez pas dans cette histoire, monseigneur. Regardez ce que la société vous offre en prime. Vous m'avez vendu des engins style prototype qui n'avaient jamais fonctionné auparavant. Mais ils ont très bien fonctionné. Ce sont vos deux créatures qui n'ont pas su les utiliser. Mon contrat a été rempli. Je suis d'accord sur ce point. Mais je suis très bon joueur. Aussi, pour remettre les pendules à l'heure et vos pantins sur les rails, je vais vous confier le HDS VADL, rayonneur désatomiseur, c'est tout. Quelle est sa fonction? Sa fonction? Quelle est sa fonction? Regardez. Oh!
Voilà. Oh, Scratch, où as-tu disparu? Attendez, il est hors de question que le hérisson disparaisse. Je ne veux que l'enfermer dans une cage et le railler tous les matins. Sans problème, on ajuste cette très jolie molette et le sujet réapparaît. Oh, oh. Oh, je déteste que tu me fasses ça. Et que s'est-il passé, au juste? Ne touchez pas la molette. Je suis le docteur Robotnik et je touche ce qui me plaît. Non, personne ne connaît l'action de cette molette. Ses fonctions n'ont pas encore été testées. Donnez-moi cet appareil. Je vais le mettre à l'œuvre et vous en serez témoin. Vous allez assister à la capture du hérisson. Non, Toutou, mais pas ça. J'ai d'autres clients à voir, mes livres à mettre à jour. Non, c'est notre contrat. Vous assisterez à sa capture. Si c'est le contrat, alors... Et si votre super apparatus a des défaillances, renoncez à jamais à vendre quoi que ce soit, parce qu'il faudra qu'on vous cherche dans les poches histoires. Où tu comptais aller, toi? Je fais du porte-à-porte et de la main à la main, moi, tu comprends, alors que je me sente pas à l'aise ici. Assis. Les voilà! Donnez-moi le désintoniseur! Et sur quel bouton j'appuie, moi? Pas ça! Pas ce bouton-là! Ah! Hey, attention! Ah! Oh! Je me divise! Ça, c'est la meilleure. Regardez, cette sacrée molette fait des clones. Oh non! Oh, j'ai comme l'impression que le docteur va exploser! Il a déjà du mal à capturer un Sonic, alors s'ils sont cinq... J'aimerais savoir jusqu'à quel point vous êtes mes copies conformes! Vous êtes prêts? À vos armes! Écran! Et feu à volonté! Seconde. Oh, ben ça, j'en reviens pas d'être en présence du grand Sonic en personne. Louis Fuguette, pour vous servir, jeune homme. Qu'est-ce que vous cachez, Louis? Oh, c'est un truc tout simple, monsieur. Une super occasion. Je peux vous faire un prix, si vous voulez. Il faut que je consulte les autres. Je suggère qu'il nous démontre que son truc remet les choses en ordre. Ou alors ce gars-là mérite d'aller en prison. Ouais. Mais c'est très normal que l'engin réintègre ce qu'il a désintégré. Ça, je peux vous le démontrer. On garde la pause, l'oiseau va sortir. Tous pour un. Content de te revoir en un seul morceau, Sonic. Tu l'as dit, Henri, et j'entends rester unique longtemps. Le vendeur est parti ou quoi? Oh, je voulais juste vous dire merci. Il est inutile de raser les murs. Si je rase les murs, c'est que j'ai un maniaque à mes basques. Tout comme les gens de Mobius. Oh, j'ai eu des tas de clients dans ma vie, mais celui-là mérite d'être dressé. Il le sera bientôt, vendeur. On s'en occupe. Détritus d'alliage de tôle et de fer blanc rétamés. On ressent ce que vous ressentez si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez dire exactement la même chose. Ah, oui, il est malade. Il y a des fois où ça fait du bien. Toc toc, y a quelqu'un? Le maître de maison est là. Qui êtes-vous? Squall, Pascal Squall, vendeur exclusif de la HDVSAD, très très limité, la société qui monte. J'ai eu affaire à un de vos agents. Sortez! Et Louis Fuguette est un agent de l'ombre. Moi, j'œuvre de la clarté. Voici notre dernière nouveauté en matière de capture d'insectivores, surtout les hérissons du genre fouineur. Encore un de vos gadgets que vous n'avez pas essayé. Erreur, docteur. J'assure même le service après-vente. Puis-je avoir votre attention? Ça, je l'ai déjà vu. Bien sûr, c'était votre obscurateur. Mais d'où vient ce bruit? Oh, ça, c'était votre ventilateur défaillant.
Dois activer l'antigravitateur. Oh, je connais, faites-moi redescendre. On arrive, docteur, on va vous porter secours. Mais la nouveauté, c'est qu'en plus des trois engins, il y a les capteurs guérissons. Êtes-vous satisfait? Mon rôle ne consistait qu'à vous prouver que notre maison est une maison sérieuse et que tout ce que nous produisons fonctionne à merveille, comme vous pourrez en juger. Gardez la tête froide, salut! Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Suivez vos conseils, les enfants. Offrez-vous un Robodude, le bon à tout faire. Il rangera votre chambre pendant que vous vous éclatez. Plus de prise de tête. On se la coule douce avec Robodude à 9,98. Les piles, le kit de nettoyage, les logiciels, la commande à distance, les filtres, ses cirages et ses sacs à poussière pour un prix cadeau. Et si ça vous paraît incroyable, c'est que vraisemblablement, c'est du toc.